Voici réuni le charme, la culture, le cinéma, le musical, le théâtre, bref, ce qu'on fait de mieux dans toutes les disciplines. Un éminent écrivain dont vous pourrez constater à l'œil nu que les œuvres se vendent sous le manteau, Paul Guth. C'est ça parce que visiblement vous avez l'air d'arriver de voyage, hein? Mais oui, je reviens du voyage de l'intelligence, du voyage des grosses têtes. Qu'est-ce qu'on en fait? On le garde? On le garde quand même? Non, mais oui, il est très bien, il est très bien. De toute façon, vous n'enseignez plus maintenant. Vous n'enseignez plus. Mais j'enseigne, c'est-à-dire que chaque fois que je suis aux grosses têtes, c'est moi qui m'instruis. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, mais je veux dire que les dégâts sont forcément limités dans la mesure où vous n'avez plus d'élèves. Oui, mais enfin, les élèves sont remplacés. Ah, mais oui, mais on sait que c'est pour rire ici, alors qu'on ne le savait pas quand vous étiez professeur de lycée. Pourquoi clignez-vous des yeux comme ça, de façon si malicieuse? Parce que vous m'éblouissez. À côté de vous, on a mis un garçon dont... N'en dites pas de mal, parce que je l'aime beaucoup. Non, pas du tout. Je veux dire simplement que, bon, son vaste front annonce des pensées qui ne s'y logent pas forcément. C'est pas un front d'intellectuel, c'est plutôt une calvitie... Même plus précoce, étant de... Quel âge avez-vous maintenant, cher monsieur? 36 ans. Ah, oui. On vous a déjà dit que vous ne les faisiez pas? Ouais, bah, y a des gens qui m'ont dit que je faisais le double. Eh bien, l'autoportrait vous a renseigné sur la personnalité de ma seconde grosse tête. C'est Philippe Castelli. Maintenant, un bel artiste que les Américains nous ont pris, puis qui nous ont rendu d'ailleurs au bout d'un moment, Jean-Yann. C'est vrai, ils ont. Finalement, ils ont préféré. Pas du tout. Non? Non, j'y retourne. Qu'est-ce que vous faites là? Il retourne sa veste. En France, je ça se fait beaucoup. Je baisse mes manches parce que ça me gêne. Voilà. Non, mais je ne m'occupe pas de moi. Laissez-moi vivre dans mon coin, je suis très bien là. Je fais tout mon petit truc, mon petit verre d'eau, mon machin, c'est bien. Et puis l'ami des jeunes, veut dire qu'il aime aussi bien les petites filles que les petits garçons. Les petits garçons, tout, hein? Les vieux aussi, il aime n'importe quoi. Tu me manques, ça remue. D'ailleurs, à la porte des maternelles, on lui a donné un surnom, c'est Papa Cachou. Jacques Martin. Allons-y, mon petit bonhomme. Viens, mon petit bijou, allez. Vas-y, mon petit Philippe, quel âge tu as? Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? Il sera jamais grand. Non. Parce que sa mère a pu dépenser en vitamines. Tout ça parce que j'ai 2 centimètres de moins que M. Martin. Vous savez, vous me les faites payer cher depuis quelques années. Hein? Je sais pas comment vous mesurez les centimètres, mais c'est pas possible. C'est pas en... Vous faites pas ça en pouces, non? Puis regardez, bon, il y en a qui ont 5 ou 10 centimètres de plus que les autres. Hein? Vous croyez qu'ils ont l'air plus malins? Merci, Martin. Mais moi, j'ai rien dit. Il faut reconnaître que M. Castelli porte sa haute taille avec une extrême distinction. Ah, merci. M. Castelli a entrepris l'autre jour, sous nos yeux, une idylle assez poussée avec une personne que vous aimez bien. À mon bien, avis, M. pas Guth. Assez poussée. Oui, moi j'ai regretté que... Avec Ménie Grégoire. Mmh. Oh diable, quel dommage que je n'ai pas été là. Oui, vous voyez que c'est amateur. Il n'y en a pas pour deux, de toute façon, vous savez. Mais vous avez eu l'air de la trouver tout à fait à votre goût. Même hein. Pas beaucoup. Je suis jamais là, moi, quand il y a des dames. Non, elle est charmante, puis je veux dire qu'elle en connaît un bout. En ah fait. Oui, elle en et connaît un bout, elle est charmante, elle est assez belle femme. Ah ouais, c'est formidable. Elle est pas feignante. Elle a un très beau bustier. Un buste, un beau buste. Un beau buste. Un bustier, un buste, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Elle a de jolies jambes. Ah oui, elle est mariée. Oui, oui. Marié. Ah bon, allons oui. Bon. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas les sentiments. Oui, oui, oui.
Non, mais toi, ne gonfle pas, t'as une chance sur deux. Hein. Oh, bah oui, ou tu prends une paire de claques. Ou... ce que tu viens de dire amène une histoire. Oui, j'aurais dit n'importe quoi, ça en amenait une quand même, de toute façon. Allez-y. Tous les prétextes lui sont bons. C'est un mari complaisant qui aide sa femme à préparer la cuisine. Il trie les petits pois. À ce moment-là, il y a un copain qui arrive et il voit le gars en train de trier les petits pois avec des gants de boxe. Alors, il lui dit, t'es pas un peu marteau, non? T'as vraiment le génie de la complication? Je me demande un peu comment tu dois faire l'amour. Il est bègue, le mari. Oui, je me demande un peu comment tu dois faire l'amour. L'autre lui répond, comme tout le monde. Bêtement, comme tout le monde, debout dans un hamac. Avec des gants de boxe. Non, excuse-moi, mais je l'avais appris en sixième, celle-là. Oh, j'avais mis 3 heures à la trouver dans mon dictionnaire. Mais change-en. Ils l'ont peut-être renouvelé depuis 1789. Oh, j'adorais. T'en as une autre pour voir si on la connaît. Bien, raconte-en une autre. Assène-lui une autre très bonne. Vas-y, une très bonne. C'est une brave ménagère. Elle se présente à la consultation d'un radiologue. Ouais. Docteur, vous faites bien les rayons X? Oui, oui, madame. Bon, eh bien, vous allez me passer cette boîte de conserve à la radio. L'étiquette s'est décollée et je ne sais plus si c'est du cassoulet ou des haricots verts. Non, c'est pas la peine. Non, remettez vos moufles. Non, mais c'est guet, hein. Bon, alors voyons. T'en as une autre? Non, ouais. Ah non, alors écoutez, là, non, vraiment... Non, mais liquidons le stock, on sera tranquille. Non, vas-y, continue. Oh non, je vais pas faire de peine à personne. Non, parce que le public a vachement apprécié, là. Il y en a qui disent, on reviendra. Quand il sera pas là. Non, elle est bien, cette histoire. De Monsieur Palandre de Chartres, qui a dit « Les bains de mer ne sont pas tellement supérieurs aux autres, mais au moins, on n'a pas à vider la baignoire en sortant. » J'arrive. Non. Allez. Allez. Excellent. Ah, Philippe Castelli. Dis donc, tire la langue. C'est pas possible, t'as embrassé un chinois, toi. Tire voir ta langue. Chocolat. Mais tire ta langue. Chocolat. Si vous l'envoyez par la poste, recommandez-la parce qu'elle est chargée, hein. Allez, déroule ton tapis qu'on rigole. Attends, j'ai fini mon dîner. J'ai jamais vu une langue comme ça, moi. Très curieux, ça. J'avais déjà vu des escalopes, mais dans des assiettes. Mais tous les gens qui ont la langue bien pendue sont comme ça. Elle est pas bien pendue, puisqu'elle sort, là. Faites voir un peu. Je vends ta langue. Mais allez, n'ayez pas peur. Fais voir. Oh. On dirait un rôti pour 8. Mais c'est pas possible, mais comment on peut avoir une langue aussi jaune que la tienne? Oh! Ah ben quoi? T'es daltonien? Mais non, enfin il a la langue jaune, oui ou non? C'est pas le possible, t'as léché la bande de séparation. Il y avait un roi de France, on a une question là-dessus, qui avait la langue comme vous, tellement longue qu'il ne pouvait la remettre qu'avec la main à l'intérieur de la bouche. C'est pas Louis XI? C'est Louis XI, oui. Mais vous arrivez à encore... J'ai jamais vu une langue comme ça de ma vie. Ou avec une même chez Pinder. Moi, ça pèse dans les combien, un truc comme ça? Mais comment tu peux tenir la bouche fermée? C'est un objet fabuleux, hein. Ah oui, non, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais vous ne l'aviez pas comme ça au départ? Vous avez fait des exercices, vous l'avez cultivé, ou... Non? Oh, je sais pas, parce que j'étais très insolent, et quand j'étais petit, je tirais la langue à tout le monde. Ah, c'est formidable. Mais dis alors, donc, il s'est fait une sorte de... Il y a des os dedans pour qu'elles tiennent, ou... C'est comme de la tête de veau? C'est pas une prothèse. Si j'avais une langue comme ça, le matin, je me laverais les dents à la vinaigrette. C'est une langue persillée, oui, ben entortillée, dans du papier mâché. Ça y est. Le jury appréciera. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Stub, du Saint-Pierre-du-Perret dans l'Essonne. Alors une question comme Monsieur Martin les aime bien. Non, oh, ça y est, qu'est-ce qui mesure 28 cm? Et qui gonfle au bout de 3 jours? Si on met une compresse? Ouais. Non, c'est pas dit. La langue à Castelli. Bonne réponse de Jacques Martin, au suivant. Ah, c'est drôle, hein. Vous voyez, il y a des gens qui prétendent qu'il n'y a rien à découvrir dans le monde. Oui. Eh bien, depuis le temps que nous connaissions M. Castelli...
C'est aujourd'hui qu'on découvre sa langue. Mmh. Parce qu'il vous l'a jamais montré, ouais. À vous. Oui. De toute façon, quand on est très près des gens, on ne peut pas voir exactement ce qu'ils ont dans la bouche. C'est vrai, quand on a le nez dessus. Oui. Mais bien méchant, hein. Est-ce que tu arrives à rentrer le bout de ta langue dans ton nez? Ouais, ah, il l'a fait. Mais là, il triche un peu, c'est son nez qui descend. Oh ben mon nez il descend. Non mais c'est pas mal ça parce que là moi on est. Comme les glaciers descendent, tu sais. Fais voir, recommence. 30 cm par an. Recommence. Non, soyez raisonnable, chacun fait la moitié du chemin. Mmh. Moitié le nez, moitié le petit naseau. Eh ben, alors. Dites le chinois, j'ai là la question de Madame Stub. Ah oui. Question culturelle. Oui, qu'est-ce qui mesure 28 cm hein? C'est extrêmement différent. Non, mais je vous vois venir, Philippe. Non, je vous connais. Qu'est-ce qui... Allez, qu'est-ce qui mesure? Qu'est-ce qui gonfle? Qu'est-ce qui grossit quand on le touche? Ah là, je vous vois partir. Je reconnais à vos petits yeux porcins que la question va être cochonne. Qu'est-ce qui mesure au repos? Eh ben... Oui, qu'est-ce qui mesure au repos? Quoi? 10 cm. Un malade. Un anormal. Et qui peut atteindre en action 25 à 30 cm. Monsieur Gutt. Faites la multiplication et répondez. J'ai toujours été très faible en calcul mental. Non, c'est pas tellement du calcul mental, ça. Hein. C'est bon, ça s'appelle est-ce pas... Est-ce que c'est un organe du corps? À quoi vous pensez? Non. Dites-moi à quoi. Non, laissez, on est tous les deux. Écoutez, oui. Puisque nous sommes tous les deux, je peux dire que je pense à ce à quoi pense M. Jacques Martin. Moi, je ne pense à rien, monsieur. Oh, menteur. Moi, je ne pense à rien. Qu'est-ce qui mesure, pardon? Au repos, 10 cm. Oui. Mais dès que ça se met en marche, 25 à 30. Ça se passe chez un animal? Ça se passe chez un animal. La langue du caméléon. Non. La langue du lézard. La poche du kangourou. Non. Ouh. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? C'est sur un cheval. Est-ce que c'est un animal? Ah, mais c'est l'âne, c'est l'âne. C'est sur un cheval. Est-ce que c'est sous un cheval? C'est l'organe sexuel de l'âne. Est-ce que quand on l'écarte, on peut voir l'heure au clocher? Dites, est-ce que c'est un animal d'Afrique? On en trouve en Afrique. C'est un animal qui se déplie? C'est pas le crocodile? Non. C'est la langue d'un animal. Ah, la trompe de l'éléphant? Non. T'as déjà vu un éléphant avec une trompe de 10 cm? Alors, il y a des gros moustiques chez toi, hein? C'est un truc que possède un animal. Non, c'est pas un truc. C'est l'animal lui-même. C'est l'animal lui-même. C'est un genre de limace. C'est une limace. Excellente réponse de Jean-Yann. Monsieur Petit de Chaumont. Vous êtes deux alors. Qu'est-ce qui passe l'hiver au fond d'un trou? Qui mesure 28 cm, merci, on a répondu. Mais. Ben non! Que vous ayez envie de passer votre vie au fond d'un trou, ça vous regarde, hein? La dactylo. Non, qu'est-ce qui passe l'hiver au fond d'un trou? Remonte à la surface en mars ou en avril. S'accouple en mai et en juin et pond des œufs. La marmotte. Et pond des œufs en juillet août. La marmotte. L'escargot. Très bonne réponse de Jacques Martin. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Tiens, c'est le compartiment des hommes seuls qu'on retrouve tout de suite dans vos grosses têtes dans la nuit des temps avec autour de Philippe Bouvard ce jour-là, Paul Gutt, Philippe Castelli, Jean-Yann et Jacques Martin. De Mademoiselle Bazillet de l'Huisserie dans la Mayenne. Dans quel cas une nonne peut-elle coucher avec un moine sans que la mère supérieure s'y oppose? Mais quand ils sont morts.
quand ils sont morts. Très bonne réponse. Quand ils sont morts. Bah, en attendant l'arrivée de la bière. Mais quand elle n'est pas là, par exemple. Non, parce qu'un moine, c'est pas du tout ce qu'on pense. Le moine, c'est ou une bouillotte ou un oreiller. C'est une bouillotte. Excellente réponse de Jacques Marc. On commence avec la bouillotte et puis, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous notez, mon petit Paul, qu'est-ce que vous notez? Je mets bouillotte. Alors, de monsieur Muqueux de Tours. Muqueuse. Mais non, Muqueux. Quelle était dans l'ancienne Chine? Et non pas. La Chine, qui à l'époque se soulevait à la vue des Nippons. Quelle était l'activité tout à fait spéciale que l'on réservait aux vieillards qui ne pouvaient plus faire autre chose? L'initiation des petites filles. On les chargeait. Est-ce que les vieux... Est-ce qu'ils montraient leur chinois aux jeunes? Ils salaient les frites. Ah, la frite. On ne dira jamais assez bien de la frite chinoise. Voilà. La frite chinoise est presque aussi bien que la frite équatoriale française que nous avons perdue, bêtement. Nous l'avons perdue. Ils produisaient un engrais. Non. C'est très pénible de s'entendre dire d'un homme aussi velu que toi qu'on peut se servir du troisième âge. Comme engrais. Pour fumer les terrains propres à la culture, quand même. Hein, est-ce que c'est encourageant? Gut, votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'il est interdit de fumer? Bon alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les vieux? C'est les vieux chinois, quoi, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils soufflaient sur le feu avec leur... Ils faisaient quelque chose qui était utile à la communauté. Ils lâchaient les timbres. Est-ce que non. C'est... Qui n'exigeait pas d'eux un effort particulier. Ils faisaient du repassage. Dites, Philippe, ça ne concernait pas le feu. Non. Est-ce que ça concernerait, entre nous, vous verrez bien qu'il en soit rarement question dans l'émission, est-ce que ça concernerait la bébête? Il ravivait les poteries. Situons l'époque et plaçons les personnages. Mettons en scène la chose. Nous sommes dans un village chinois. Oui, je crois que c'est l'époque de Ming. Nous, touristes, nous arrivons dans le village. Oui, et vous voyez deux vieux. À deux seulement? Non, à tous les vieux. Oui, tous les vieux. Ils servaient de borne. Mais ils font quelque chose ensemble. Ils font pas quelque chose ensemble. C'est de bons vieux. Est-ce qu'ils servaient de ballon de football pour entraîner les jeunes dans cette discipline nouvelle à cette époque-là, chez les Ming? Est-ce que c'est une activité qui s'exerçait toute la journée? Est-ce qu'on les étalait par terre pour pas salir avec la boue? C'est une activité qui les mobilisait souvent 8 ou 10 heures de rang. Les coulis. Ils faisaient les coulis à la poste, oui. Non, ils faisaient de l'ombre. Ils poussaient des petits cris pour effrayer les souris. Non. On les foutait dehors méchamment, les vieux. On leur disait mettez-vous dedans gentiment. Pas du tout, on leur apportait... À manger. Non. Ce qu'il fallait pour faire leur travail. Ils prédisaient le temps. Ils écrivaient. Est-ce qu'on leur mettait du sucre pour faire venir les abeilles? Non. Est-ce qu'ils n'actionnaient pas quelque chose pour faire de l'air? Non, ils ne faisaient aucun geste. C'est aucun geste. Fabuleux. Ils se rendaient utiles à la communauté chinoise de l'époque sans faire le moindre geste. Ils racontaient des histoires. Et sans un mot. Bon. Alors on met un vieux au milieu d'un village et il est comme ça, il est utile. Il faisait chez lui la plupart du temps. Hein, ça. Non mais moi je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres, il faisait de l'ombre, non? On les mettait dehors, le type se couchait au pied des vieux. C'était du mime. Non. Non, il... ça. Il danse 500 balles, c'est gravelotte aujourd'hui. Hein, ça eh coûte bien, très cher. Monsieur Muqueux de Tours a gagné 500 francs, il a gagné un disque des Grosses Têtes, vous l'applaudissez. Là, monsieur Yann, vous êtes impardonnable, vous qui connaissez la Chine personne ne la connaît. Moi, les vieux chinois que j'ai vus, ils étaient au pouvoir quand j'étais là-bas, alors dis donc. Ces vieillards qui ne pouvaient plus rien faire d'autre, on leur donnait 8 ou 10 heures par jour des œufs à couver. C'est étonnant, ça. Il n'y avait pas de poule. Mais alors, je suis désolé, c'est pas à la période Ming que ça s'est passé, ça. C'est à la période Lustucru. L'empereur Lustucru. Et je me souviens du vieillard qui se levait et l'empereur disait « Non, Ming, pas celui-là, il est fêlé et Lustucru n'en veut pas. » Retrouvez les Grosses Têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.